Salut. Et si on découvrait Kotaro Matsushima? Wow. Désolé, j'ai eu un petit regain d'enfance là, tout d'un coup. Alors, Kotaro Matsushima, 28 ans dans une vingtaine de jours, puisqu'il est né en février, d'origine japonaise de sa maman et zimbabwéenne de son papa, qui n'ont pas particulièrement des pays frontaliers, hein, mais mon papa, qui était d'ailleurs un journaliste assez réputé en Afrique du Sud et qui a notamment eu un petit entretien avec cette personne. Il apprend le rugby d'abord au collège en Afrique du Sud, et puis ensuite au lycée au Japon. Et je sais pas vous, mais moi quand on me dit qu'un élève apprend le sport au Japon, je m'attends toujours à un enseignement un peu comme ça, quoi. Depuis début 2020, et encore pour 2 ans, il a signé... À l'ASM. Ah, vous remarquez bien que c'est pas le bon gabarit de joueur ni la bonne forme du ballon. Voilà. Donc c'est plutôt. L'équipe de la ville de Clermont-Ferrand. On peut dire que c'est peut-être un globe-trotteur rugbyman parce qu'avant d'arriver à Clermont, il est passé donc par des clubs en Afrique du Sud, au Japon, etc. Et donc il a posé ses valises en France, à Clermont-Ferrand. Je pense qu'il a bien choisi sa destination. Avant ça, il était passé par le Stade Toulousain. Depuis 2014, il joue dans l'équipe nationale japonaise. Et donc vous imaginez bien que pendant la Coupe du Monde 2019. C'était une star. Peut-être pas non plus comme ça. On va se quitter sur quelques actions de Kotaro, qui contrairement à certains autres joueurs, change régulièrement de poste sur le terrain au gré du vent, voilà, un petit peu comme une brise printanière. Et je vous laisse comme ça. Vous